Takuma. Hey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Monkey D. Luffy. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va concrètement déterminer ensemble le réel niveau de puissance actuel du futur roi des pirates, et on terminera par voir ensemble son niveau de puissance à la fin de l'arc actuel. On n'oublie pas le pouce bleu pour le soutien, c'est parti. Merci à ExpressVPN qui est le sponsor de la vidéo. Un VPN est une application qui permet de surfer sur le web en toute sécurité et de manière anonyme, en sécurisant votre IP et en créant votre propre réseau virtuel privé. Je soupçonne chance c'est d'utiliser un VPN pour être tranquille sur le Shinsekai. Si vous voulez être comme lui, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Avec ce VPN, on peut tranquillement profiter de tout ce qui est streaming, films, séries, animés et même jeux vidéo. On peut se connecter à Netflix Japon ou encore Netflix États-Unis en toute sécurité. Vous avez un meilleur débit pour le streaming et c'est ultra efficace. Vous voulez prendre quelque chose sur Amazon Japon, c'est possible. Vous voulez des produits One Piece uniquement disponibles au Japon, c'est possible. Vous voulez aller sur Onigashima pour combattre Kaido, bon, ça va être un peu compliqué, mais avec ExpressVPN, on est en sécurité. Il vous protège des hackers et votre vie privée est sécurisée. Inscrivez-vous sur ExpressVPN en cliquant sur le lien en description pour obtenir 3 mois gratuits sur un abonnement d'un an. Waouh! Tout d'abord, voyons rapidement ce qu'est un niveau de puissance. Un niveau de puissance est un niveau qui nous permet de classer les différents personnages du monde par rapport à la puissance des autres personnages qui ont le même niveau de puissance, mais pas forcément exactement la même puissance globale. Il faut faire un distinguo entre niveau de puissance et puissance globale. Le niveau de puissance est juste à titre informatif pour que l'on puisse classer les différents personnages. Au sein d'un groupe de personnages ayant le même niveau de puissance, il y a des personnages plus puissants que d'autres, mais les différences de niveau ne sont jamais très élevées. En termes de niveau de puissance, tout en haut, il y a le niveau roi des pirates, qui est un niveau de puissance à part, et ce parce que le roi des pirates est le pirate, mais également l'homme, le plus puissant au monde. Rien qu'en termes de prime, il a une prime de 5,5 milliards, ce qui est donc une prime plus élevée que celle de Big Mom, Kaido ou encore Barbe Blanche, alors qu'il est mort il y a 24 ans. Je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais ça veut dire qu'en plus de 24 ans de piraterie, les empereurs du monde n'ont jamais réussi à atteindre sa prime. 24 ans. Les pirates du monde veulent 3 choses, et ces 3 choses ont été annoncées au tout début de l'œuvre. Fortune, gloire et pouvoir. On l'a déjà vu ensemble, mais la fortune c'est la richesse du pirate, la gloire c'est la renommée du pirate, et le pouvoir c'est la puissance globale du pirate. Le roi des pirates est le pirate le plus libre au monde, parce que le roi des pirates est le pirate le plus puissant au monde. Par rapport à Barbe Blanche, il a été dit qu'il ne voulait pas être le roi des pirates parce que ce qui l'intéressait, c'est sa famille. Cette information par rapport à lui est vraiment intéressante parce que c'est très profond. En fait, de fortune, gloire et pouvoir, la fortune ne l'intéressait pas et la gloire également. Par contre, par rapport au pouvoir, eh bien comme il a déjà dit, ça l'intéresse. Il a souvent répété « Je suis Barbe Blanche, je suis l'homme le plus fort du monde ». Le pouvoir l'intéresse en tant qu'individu parce que c'est grâce à ça qu'il peut protéger sa famille. Par contre, pour les autres aspects, ça ne l'intéresse pas et moi, je vais vous dire pourquoi. Écoutez bien, cela demande des sacrifices que Barbe Blanche ne voulait pas faire et des risques qu'il ne voulait pas prendre. Goldie Roger avait une femme qu'il chérit plus que tout et un enfant qu'il n'a malheureusement pas pu connaître. Ça, c'est ce que Barbe Blanche redoutait profondément. Ne pas pouvoir être entouré de sa famille à cause des risques. C'est pour cela que Barbe Blanche n'a jamais véritablement cherché à devenir le roi des pirates. Il aurait dû sacrifier ce dont pourquoi il a voué toute sa vie. Sa famille. Le roi des pirates a quant à lui fait un choix très dur, qui était de découvrir tous les secrets du monde et de devenir le roi des pirates. Ce qui, bien sûr, devait passer par le fait qu'il devait laisser sa famille en dehors de tout ça. Voilà donc pour l'explication par rapport à Barbe Blanche. Pour finir, s'il vous plaît, on est en 2021, il faut que tout le monde comprenne bien que Barbe Blanche n'était pas plus puissant que Goldie Roger. Dans sa vivre card, il est certes dit qu'à l'époque, c'était l'homme le plus fort du monde, mais il est également dit que ça ne parle pas de sa puissance globale. Ça veut dire ce que ça veut dire. Dans le roman de
Ace, il est clairement dit que Barbe Blanche était l'homme le plus fort du monde grâce à sa vie de pirate. Ça veut dire ce que ça veut dire. Sengoku a clairement dit que Rox était l'adversaire le plus puissant du roi des pirates, ce qui veut dire qu'il était plus puissant que Barbe Blanche. Barbe Blanche n'a pas voulu combattre Kaido à cause d'éventuelles pertes, alors que Roger serait parti et aurait battu Kaido sans perte, comme le sous-entend Garp. Pourquoi ? Eh bien parce que c'était le plus puissant. Sengoku a dit que Garp s'est allié pour battre l'équipage des Rox et pas seulement Rox. Donc Garp a forcément dû combattre un adversaire bien spécifique au vu des grandes puissances individuelles qu'il avait en face. Goldie Roger a combattu Rox en 1 contre 1, ce qui est totalement logique, tout comme Luffy était seul contre Crocodile, seul contre Rob Lucci, seul contre Doflamingo et seul contre Katakuri. Quand il était contre Doflamingo, en forme normale, Luffy était plus faible que lui. Cependant, il a la petite particularité d'avoir des formes combatives avec le Gomu Gomu no Mi, mais également avec la combinaison du Haki. Avec le Gear 4, il n'a pas seulement atteint le niveau de Doflamingo, parce qu'il l'a en fait surpassé. En fait, en termes de force brute, il était bien supérieur à lui, et en termes de résistance également, notamment grâce à un corps à la fois dur et élastique. Le niveau de puissance de Doflamingo était celui d'un Shichibukai, donc celui d'un puissant pirate, mais ce niveau reste inférieur à celui d'un commandant de Yonko. Le niveau de commandant est très élevé, parce qu'avec ce niveau, on peut combattre et même battre un amiral. C'est simple, c'est pour cela qu'à Marineford, il y avait trois amiraux, un amiral en chef et Garp. Ce qui correspond parfaitement au schéma d'un équipage d'empereur. Barbe Blanche contre Sengoku et Garp, comme les deux ont combattu Shiki, il faut les deux contre un Yonko, c'est factuel, et chaque commandant est contre un amiral. Sur Marineford, il manquait Ace, Barbe Blanche était malade, il s'est fait trahir, et tout le monde s'est fait avoir à cause de ça, à cause de la maladie de Barbe Blanche. Si les commandants n'avaient de base aucune chance, ça n'aurait strictement aucun sens qu'ils viennent à Marineford. Ce n'est qu'une question de logique. Si Doflamingo a le niveau d'un commandant, cela veut dire que rien que lui faisait jeu égal avec le commandant, et qu'à lui seul, il pouvait battre l'un des trois hommes les plus puissants en face. Ça n'a aucun sens parce qu'il reste encore trois amiraux, Sengoku, Garp et les autres grands corsaires. En fait, Cracker est très sous-estimé à cause du fait qu'il est perdu bêtement. Mais je vous assure que son niveau est incroyable. Et d'ailleurs, son fruit démoniaque est vraiment très puissant, parce que si on ne le mouille pas, ses soldats sont archi costauds, archi forts, et il peut en faire beaucoup. Donc, Luffy a réussi à bien le combattre, mais il a surtout tenu en mangeant les soldats, et parce que Cracker s'est jeté dans la gueule du loup. La vérité, c'est qu'à cet instant, Luffy se rapprochait du niveau de 3ème commandant, mais il a gagné parce que ce n'est pas parce qu'un personnage est plus puissant que l'on va forcément perdre. Ener était objectivement plus puissant que lui, et pourtant il a perdu. Donc, en battant Cracker, Luffy s'est encore plus rapproché du niveau de 3ème commandant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les commandants ont à peu près la même puissance, tout comme les amiraux ont tous à peu près la même puissance. Reprenons l'exemple parfait, Akainu et Aokiji ont combattu pendant 10 jours. Donc, quand il était contre Katakuri, le futur roi des pirates se rapprochait du niveau de commandant, mais comme il ne l'avait pas encore complètement atteint, eh bien Katakuri lui a roulé dessus. En fait, Katakuri avait une faculté très cheatée, celle de voir dans le futur. Cette faculté lui permettait de voir les coups de Luffy, donc il avait ce statut d'intouchable. Cette faculté augmente considérablement la puissance globale de l'homme Moshi, cependant en termes de résistance c'est pas ça du tout, et c'est ce qui le différencie des empereurs, qui ont quant à eux une énorme résistance physique. C'est simple, un coup du futur roi des pirates classique lui fait mal, et un coup en guerre 4 lui fait très mal. Alors que par exemple, quand il frappe Kaido, en forme normale et en guerre 4, il n'a aucun dégât. Il aura eu besoin d'un entraînement et d'une évolution du haki de l'armement. Donc par rapport à Katakuri, il arrive avec le Snake Man, qui est donc une nouvelle forme, et à la fin, ça s'est joué sur la résistance. En effet, malgré le fait qu'il ait subi la plus grosse technique de Katakuri à 2 reprises, Luffy s'est quand même relevé et est reparti. A contrario, Katakuri est resté au sol. Donc là, Luffy a atteint le niveau de second empereur, qui est un niveau très proche du niveau de 3ème et 2ème commandant.
Parlons maintenant du niveau d'amiral de la marine. Comme je l'ai expliqué et prouvé dans ma vidéo Amiral contre Empereur, le niveau d'amiral est très élevé, mais il n'est pas égal à celui d'un empereur. Je ne vais pas répéter tous mes arguments et tous les éléments factuels que j'ai utilisés. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Comme dans la vidéo j'ai prouvé par A plus B qu'un amiral n'avait pas du tout le niveau d'un empereur, je vais me baser sur ça. En battant le second de Big Mom, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Luffy a encore évolué parce qu'il devient plus puissant en battant des gens puissants. Que ce soit un troisième, un deuxième ou un premier commandant, tous ces pirates sont censés être les équivalents des amiraux, mais dans un équipage pirate. En cas de bataille, ce sont eux qui doivent les combattre et qui doivent pouvoir les battre. Si les amiraux sont réellement beaucoup plus puissants que les commandants, la marine écraserait purement et simplement tous les empereurs. La marine veut mettre un terme à la piraterie, et c'est pour cela qu'ils ont fait exécuter le roi des pirates sur place publique, et qu'ils ont tendu un piège à Barbe Blanche. Si la marine ne combat pas les Yonko, c'est parce qu'ils ne peuvent pas les combattre sans perte, et parce qu'ils peuvent perdre. Si on part du principe qu'un amiral égale un Yonko, ça voudrait dire que sur Marineford, il y avait Barbe Blanche malade et son équipage contre 5 Barbe Blanche. Nous sommes d'accord pour dire que ça n'a strictement aucun sens. Et encore, il manque les Shichibukai, les vice-amiraux, tout ça, tout ça. Donc, au début de Wano, Luffy avait concrètement le niveau de second empereur, ce qui signifie qu'il était en mesure de combattre et de battre un amiral. Alors attention, je ne dis pas qu'il gagnerait forcément, mais qu'il avait des chances de gagner. Donc, il faut se rendre à l'évidence qu'au début de Wano, le futur roi des pirates était en mesure de combattre un amiral tout en ayant des chances de gagner. Maintenant, il s'est entraîné et est devenu encore bien plus puissant, et ce pour trois raisons. Il a obtenu une bien meilleure résistance physique, il a obtenu une bien meilleure force brute, et il a obtenu la faculté de pouvoir frapper de l'intérieur avec l'évolution du haki de l'armement. Son entraînement lui a permis de confirmer pleinement son niveau de second empereur et de surpasser légèrement ce niveau. Luffy est donc actuellement le niveau de second de Yonko Plus, ce qui signifie que s'il combat un amiral de la marine, il a encore beaucoup plus de chances de gagner. Niveau second de Yonko Plus, c'est concrètement niveau amiral pour la marine. En d'autres termes, Luffy est donc actuellement de niveau amiral. Comme on l'a vu ensemble, ce qui est inévitable, c'est que le futur roi des pirates va combattre le roi des bêtes en 1 contre 1. Je ne le répéterai jamais assez, c'est ce qui va se passer, parce que c'est ce qui doit se passer. Contre Doflamingo, il a sorti le Gear 4 parce qu'il fallait qu'il sorte une nouvelle forme qui marque son évolution en termes de puissance. C'est exactement la même chose. Et si je prends l'exemple de Doflamingo, ce n'est pas pour rien, parce qu'au départ, c'était un 2 contre 2, et au final, ça s'est fini sur un 1 contre 1. Donc, maintenant qu'il est de niveau second de Yonko Plus, qui correspond au niveau amiral pour la marine, parce que la piraterie et la marine sont deux choses bien distinctes, et bien il obtiendra le niveau d'empereur en combattant un empereur à pleine puissance. À la fin de l'arc, Monkey D. Luffy aura donc le niveau d'empereur, et c'est pour cette raison que Shanks lui a dit qu'il n'allait pas tarder à se revoir. Ils doivent se revoir quand Luffy sera devenu un grand pirate, et les Yonko sont les plus grands pirates. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.